dans un atelier art plastique à destination des élèves de la classe Ulysse, où on travaille donc sur le thème de l'environnement, du recyclage, en sachant que la question des objets et des matériaux apparaît au programme d'art plastique. On a fait un travail en trois étapes. Donc la première étape où on a étudié les matériaux de récupération comme matériaux artistiques, donc en utilisant des matériaux qu'on a récupérés tous ensemble dans nos poubelles de tri, etc. On s'est amusé justement à mettre en couleur des paysages imprimés. En deuxième étape, donc on a discuté sur le thème du recyclage, de l'écologie, qu'est-ce qu'on pouvait représenter pour imager ces notions. Donc chaque élève a choisi une figure, une image à représenter. J'ai dû ramener des matériaux recyclés pour faire un dessin. Donc du coup, j'ai pris un camion de poubelle, j'ai découpé des morceaux de carton, de la laine, et je les ai collés à l'instant. On n'a pas le droit à créer une couleur parce que le but, c'est de moins polluer, donc du coup, de ramener des matériaux de chez soi, et de moins polluer et moins mettre des déchets dans sa poubelle. Et la troisième étape de réalisation où, avec les matériaux de récupération, on vient mettre en couleur et mettre en matière les images qu'on a sélectionnées avec le thème du recyclage. Ce projet s'inscrit dans un ensemble de travaux menés en Ulysse sur le développement durable. Pour le petit groupe d'élèves, il a fallu trouver des idées pour les mettre dans le quotidien, donner du sens aux différents apprentissages.